of Thieves RP. Les amis. Il faut prendre une décision rapidement. Bon, on a une mission à suivre et en même temps, il y a la mission la plus importante qu'on ne m'ait jamais confiée. Juste là, à quelques centaines de mètres. Capitaine. Nous n'avons pas le choix. Je crois qu'il nous reste une seule chose à faire, capitaine. Si non, pas permettre... Non, ne gaspille pas les munitions, pas de mots. Non. Vous m'avez appelé à nouveau, capitaine. Oui, c'est bon, maintenant que t'es là, les amis. Je dois m'entretenir avec Avery en privé. Nous avons une décision importante à prendre. Avery. Dépêche-toi parce que je crois que le Burning Blade vient vers nous. Avery, viens dans mes quartiers. J'arrive. Bon, écoute. Une capsule, vous savez, pas ce tonneau maudit. Lâche ça. Lâche ça. D'accord. Voilà, partez d'ici maintenant. Allez-vous-en. Bon, Avery. Il faut qu'on décide. Est-ce qu'on ignore ce Burning Blade de l'enfer ou est-ce qu'on essaie de se l'affronter et de se l'approprier comme on nous l'avait confié? Il va falloir prendre une décision et ça ne tient qu'à toi, j'ai l'impression. J'ai peur que l'occasion ne se représente plus jamais. C'est vrai. C'est bien ce qui me fait prendre conscience de l'importance de la chose, alors à toi de voir. Soit on poursuit les Shards of Gold et on a une chance limitée que ça puisse nous mener à la bonne quête, soit on prend la voie du Burning Blade et dans ce cas-là... Tout ira plus vite, tout sera peut-être plus simple, ou alors c'est un piège de flammeurs, j'en sais rien, mais dans tous les cas, il nous faut une décision rapide. Prenons le risque et attaquons ce foutu Burning Blade. Ok, c'est parti. Les amis, il va falloir vous préparer, mettre tout votre courage sur le devant de la scène, nous allons affronter le Burning Blade. Quelle est votre décision, capitaine? C'est ma décision. Jusqu'au bout des mers. Paquebot, je veux que tous ces foutus canons soient chargés à bloc. Et on va l'affronter. Moi, capitaine. Mon pauvre navire, je t'en supplie, ne m'en veux pas pour ce qu'on va faire. Toute voile dehors! À vos ordres, capitaine. Toute voile dehors, chacun proche. C'est pas ma meilleure. C'était bien tenté. Je veux que chaque canon La quête de mon corps! Je veux que chacun de ces canons soit chargé, je veux que chacun de ces foutus moussaillons que vous êtes soit à leur poste. Et surtout, on perd pas son sang-froid. Oui, capitaine. Bon. Mettez les munitions de boulet en évidence. Il en reste 42. Il faut pas louper un seul de nos tirs. On va avoir besoin de chacun de ces boulets. C'est lui, j'en suis sûr. Aucun bateau des mers de toute cette foutue planète ne fait une lueur pareille. Je dirais qu'il est à peu près 3 lieues d'ici, capitaine. Oui, c'est probable, il est assez loin. Nous devons prendre la vitesse et le surprendre par un effet de surprise lié à justement cette vitesse. Alors ne perdons pas le cap. Capitaine. Il faut orienter un petit peu mieux ses voiles, messieurs, pour prendre le vent. Je monte à la vigie. Embrassons pleinement le vent. Légèrement tribord. Légèrement tribord. Il y a une île légèrement tribord. Bon, écoute, fais en sorte de l'éviter. Au moins le jour se lève, on n'aura pas de difficulté de vision. Les amis, c'est un très grand moment de navigation qui nous attend. Burning Blade vers tribord, légèrement tribord. Tribord. Cap sur ouest, nord-ouest. Dirigez-vous messieurs, vers les arches de pierre. Je vous invite droit à prendre. Devant, droit devant. Maintenez à prendre cap, des. Capitaine Avery. Prenez Captain des rations Falco, de nourriture. Prenez tous des rations de nourriture sur vous, des planches et des boulets. Il nous faut ces trois choses tous dans nos poches le plus vite possible. C'est fait. On maintient le cap. Le voilà, on l'a enfin trouvé. Après tant. On est en train de le rattraper, capitaine. Tant de temps. Assurez-vous que toutes les voiles soient bordées. Je refuse que le reste du capitaine Franco. C'est vrai? J'en ai la forte impression en tout cas. Non, il est dos à nous, pardon. Il est dos à nous. On va l'avoir par. Oh, attention, nous, il tourne. Ok, c'est maintenant, il fait une manipulation de retournement.
Il est en train de se retourner, capitaine. Bon, les amis, il va falloir être coordonnés. Nous avons des choses précieuses à bord, mais ce qui nous attend là est... l'est encore bien plus. Boum, écoute, il vaut vraiment mieux que tu te débarrasses d'ici. Puis boum, vie et sois heureux. Il est aux abords d'une île, ça risque d'être compliqué pour manœuvrer. Essayons de le prendre par tribord. Je reconnais ces flammes de l'enfer qui brillent sur la vigie. C'est bien lui. Rien d'autre que lui. Les amis, on l'a trouvé. On l'a trouvé. Je reconnais ce foutu navire, je l'ai... Je sais que j'ai mis les pieds dessus. Ouais. Ça m'étonne pas. Il faut faire attention. Maintenant, le moindre faux pas peut être extrêmement dangereux. Et décisif. On est tout de voile dehors, capitaine. Parfait. On va l'aborder sur le flanc tribord de l'île. Et on va essayer de croiser son... de croiser les canons. Dommage que nous n'ayons pas un système pour l'aborder facilement. Je crois que le mieux reste quand même de le canonner. Si l'un d'entre vous se sent assez courageux pour monter à son bord pendant que nous le canardons, qu'il se porte volontaire. Ou se taise à jamais. On ne le rattrapera pas à ce rythme-là. Il va dépasser l'île. Écoute, paquebot... Il se dirige vers la place forte. Nos voiles sont bordées le plus possible. On va sûrement le croiser, regarde, on s'est bien approché déjà. Oh, je le reconnais. C'est bien lui que j'ai vu dans mes cauchemars les plus sombres. Le voilà. Attention, les amis. D'après une rumeur qui s'étend sur les mers de Sea of Thieves depuis toujours, il pourrait cracher des flammes de tel un dragon à l'avant de sa proue. Essayons de ne pas le croiser. Pas, capitaine. Ce sont des légendes, regarde, j'ai bien un dragon moi à l'avant de ma proue. Un dragon de feu. Oh, mais le voilà. Dragon, capitaine. Les amis, on se rapproche. Essayons de passer à tribord. Les voiles prennent le vent, capitaine. Ismus, quand tu veux, pour nous dire de réduire la voilure. D'accord, capitaine. Si vous voulez passer à tribord, on s'approche, capitaine. Il est en train de nous faire face. Non, paquebot, c'est une illusion d'optique, quoi que ça veuille dire. J'ai l'impression qu'il est plutôt encore dos à nous. Je vous dis qu'il est en train de tourner, capitaine. J'ai l'impression qu'il va près de cette île. Il nous a pas encore repéré, j'en ai la forte impression, c'est l'effet de surprise est au plus haut. Il faut pas perdre cet objectif. Est-ce qu'on lui harponne, capitaine? Non, ramenez les voiles, tout de suite. Ce serait une très mauvaise idée. Les voiles. Vite. Ah. C'est celle de derrière. Oh non, ça y est. C'en est fini. Je répète, il nous tient. On va avoir la première bordée, capitaine. J'ai comme l'impression qu'on est encore un peu loin. Smooth, on va devoir rabattre un peu les voiles pour gagner un peu en vitesse. Il est encore un peu loin. Attention, ne crois pas surtout trop, pas. Capitaine, pas trop. Ne crois surtout pas le bateau. Relevez vers l'avant, il risque de nous cracher des flammes. On le croise maintenant. J'ai un tonneau de planches juste ici. Bien. Accroché sur le harpon si nécessaire. Les voiles sont remontées. À vos canons, messieurs. Ok, ça approche. L'heure du jugement. Ça y est, te voilà enfin. Je vais me mettre dans son angle mort, capitaine. Est-ce que tu le prends sur notre flanc tribord ou bâbord? Je vais essayer de le prendre sur bâbord. Bâbord, ok, tous à canon à bâbord. J'ai remis les. On va avoir besoin de l'artillerie la plus lourde qui existe. Attention. Feu! Feu volonté! Mettez tout ce que vous avez, bande de chiens galeux! Touché, capitaine! Bien, continuons! J'ai pas l'impression. Ok. Je n'ai plus d'angle. Je remets l'angle, mais on va passer devant lui du coup. C'est pas grave, ça fait rien. Attention. Feu! Ça va être compliqué niveau boulet.
Aïe 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 aïe. Il va falloir être efficace. Soyons très efficaces, il nous en reste plus que 23. 23 boulets, il ne faut plus qu'il y en ait un seul qui soit loupé. Vous avez intérêt à faire mouche à chaque tir. En tout cas pour l'instant c'est assez efficace, très bien messieurs. On continue sur cette cadence. Ah. Capitaine, j'y vais. Ismouth. Il n'a plus, il n'a plus assez de boulets. Il va passer sur l'autre flanc, capitaine. L'autre flanc. Mais où Ismouth, il est fou. Feu. Feu. Boulet d'abord, recherchez le capitaine. Canardez-le. Oh non non. L'autre côté, l'autre côté. Je vais mentir capitaine, mais je crois qu'on coule. Oh non. J'arrive, non. Je m'occupe de ça. Ne vous en souciez pas capitaine. Je continue de le canarder. Il ne faut surtout pas, aidez-moi capitaine. Il commence à couler, il commence à couler. Nous aussi. Oh non. Ah. J'ai été touché, ça fait rien. Ah, ah, ah. Comment ça se passe là-dessous? Pour l'instant ça va capitaine, on gère la situation. Mais personne à la barre pour l'instant. Ça fait rien, la barre n'a pas besoin d'être pilotée. En attendant. Ah! Continuez les réparations. Flanc tribord, préparez-vous. J'ai remis des planches dans les tonneaux si nécessaire. Sa première cale est complètement coulée. Il faut y aller maintenant. Donnez tout! Vous avez envoyé. Non! La caisse du boulet est vide! On a plus que des boulets! Il me reste quelques boulets! Les amis! On l'a réussi! On l'a vaincu! Alors t'étais pas si dur que ça à couler! Les amis, on a réussi! Il faut qu'on le ramène à Flemart! Vite, allons le voir! Les amis. Le bateau est-il encore en train de couler ou vous l'avez réparé? Il est réparé. Il faut qu'on vienne tous sur ce bateau. Je ne croyais pas dire ça un jour, mais vous êtes vraiment efficace. Oh, mon dieu. Merci, ça me fait très plaisir que vous me disiez ça. Le voilà enfin. Profitez-en, ça va pas durer. Les amis, il faut que vous me rejoigniez à bord. Il faut qu'on prenne le contrôle du navire. Par tous les diables. On a réussi. Quel navire. Oh mon dieu, vous avez vu cette il beauté va comme un gant. Il te va très bien, Avril, je dois l'admettre. Je suis très ravi de ce qu'on a réussi à faire. Je crois qu'il faut... Oh, paquebot. Capitaine, on peut choisir de prendre le navire. Bien sûr. Il faut absolument qu'on vote pour pouvoir prendre le contrôle. Ça se situe. Attendez, juste là. Il faut qu'on ramène tout notre butin sur le bateau. C'est vrai. Ismouth est encore à bord. Le tien va être sabordé, je crois. Écoutez, je fais confiance aux dieux de la mer qu'ils le ramèneront sain et sauf sur un rivage proche. J'en ai l'intuition, je ne sais pas pourquoi. Ismouth, est-ce qu'il est toujours à bord? Votre bateau va être atomisé. Pas du tout, paquebot, qu'est-ce que tu racontes? C'est le Jegus Imperator. Il a mis le Burning Blade à feu et à sang. Il va rien lui arriver, j'en suis sûr. Quelqu'un a vu Ismouth? Capitaine, vous êtes où? Ismouth, on est à bord du Burning Blade, on a besoin de toi ici. Mais moi aussi, capitaine. Vous êtes de nouveau vous-même. Oh, le Burning Blade a levé la malédiction. Ça y est, ça veut dire que ça peut marcher vraiment. Avril va retrouver son corps. Mais non, le capitaine Avril a fini d'être. Les amis, j'ai ramené la caisse de provisions, capitaine. Bien, bien, très bien. Capitaine Avril, j'ai une mauvaise nouvelle. Le Burning Blade n'a pas levé votre malédiction. Ah, pas encore, mais ça serait tardé. Laissez-le être optimiste. Peut-être que le Burning Blade a levé ma malédiction à moi. Ismouth, on a besoin de votre vote ici pour pouvoir prendre le contrôle de ce navire maudit. Oh, bien sûr, capitaine. C'est juste là. Non, à l'intérieur. Juste là, ici. Il faut qu'on ramène les trésors à bord d'abord.
Oui, peut-être que c'est oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, il faudrait stabiliser le navire et le rapprocher dans ce cas-là. Oh, vous avez vu cette... les grappins, capitaine. Vous avez vu cette beauté, n'empêche, on en voit vraiment pas souvent des bateaux de cette sorte. Il est capitaine, unique. Capitaine, il me faut quelques degrés de liberté pour pouvoir grappiner notre navire. Oui, je comprends, mais le Burning Blade est pour l'instant impossible de manipuler, on peut pas le déplacer, il faut déplacer uniquement le Digus Imperator. Je peux envoyer quelqu'un sur le pont maintenant s'il vient dans le canon. Je suis à portée. Désolé, Ismousse, ça risque de te faire un peu mal aux fesses. Tiens bon! Je monte à la vigie pour être sûr que personne ne vienne nous voler le navire. Bien, c'est une bonne idée. On risque d'être visible par un bon nombre de pirates qui voudront sûrement nous couler. En attendant, je vous fais une petite visite guidée. Oh! Mais bien sûr, il y a encore de l'eau dans cette cale. De toute évidence. La roue est cassée, je n'ai pas de quoi la réparer. La malédiction... J'ai l'impression que la malédiction de ce bateau ne l'empêche de couler alors que sa cale est remplie d'eau. C'est absolument fou. Les amis, on a réussi à le couler avec si peu de canons, c'est quand même exceptionnel. Sloop! Oh oh. Mais le bateau est déjà coulé. La direction! Merci, Paquebo. Sloop au sud-est! À l'île sud-est, en face. Il nous reste vraiment plus de canons. Le Burning Blade a quelque chose? Il est ancré. Oui, j'ai amené tous les canons au Burning Blade. Moi, je ne vois pas de sloop. Ah si, là-bas, au loin. Oh, mais en espérant ce bateau, qu'il ne nous joue pas des tours. Je ne vois personne d'autre. Oh mon Digus Imperator a mis fin à la malédiction du Burning Blade. C'est fou. En tout cas, celle d'Ismousse est levée. Voilà une première étape très concluante. Le brouillard se lève. Les amis, plus discret. Je vais leur parler depuis le mégaphone. Les amis, on risque d'être la proie de bon nombre de pirates. Il va falloir doubler de vigilance. On manque cruellement. Attendez. On manque cruellement de boulets de canon, capitaine. C'est vrai, mais ne vous en faites pas. On risque d'avoir l'aide de squelettes maudits qui pourraient nous venir en aide, d'après ce que Flammeurt avait dit. Oh, ce bateau est immense. Je fais un double ancrage, bougez pas. Capitaine, j'ai mis les trésors ici pour que vous puissiez les récupérer au harpon. Bien vu. Il me surprendra toujours par son intelligence fulgurante parfois. C'est si rare, j'en profite. Capitaine, je me suis fait dessus pendant l'assaut. Il faut que je me nettoie. Je reviens. Y'a aucun problème, je comprends. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça y est, ça y est. Tiens, tiens, tiens. C'est vous voilà, maudit squelette. Vous voilà maintenant sous les ordres du capitaine Avry et du capitaine Falco, bande de misérables. Capitaine, le coffre, où est passé le coffre? Oh non, le Digus Imperator! Non, mon bateau! Paquebot! Il a été mis par le fond! Paquebot! Quelqu'un avait Paquebot? Oh non! Paquebot! Te voilà! Ouais. Vous m'avez sauvé la vie. Paquebot, là c'est très important, je vais avoir besoin que tu m'écoutes attentivement. Paquebot, il y a des squelettes maudits sur ce navire qui ne sont pas nos ennemis. Ils sont sous nos ordres. C'est bon? Mais ne les attaque tout pas. À fait compris, capitaine. Ne les attaque pas. Ils sont avec nous. Capitaine, tu as entendu un squelette? Je crois que t'as avalé ton mégaphone encore une fois. Capitaine, il y a un squelette juste ici. C'est toutes les émotions. J'ai encore oublié d'enlever ce foutu sifflet. Mais Paquebot, je viens de t'expliquer, ils sont avec nous. Capitaine, ils ne te feront aucun mal. Et je sais que ça fait peur, mais ils font partie de notre équipage à présent. Il y a des coffres de valeur inestimable, il faut qu'on aille les vendre. Oh, c'est vrai? Oui, oh, je confirme, capitaine. Oh oui! Oh, le crâne maudit. De fortune, caisse de stockage, sans parler de notre sucre. Il y a des boulets de canon ici. Il y en a pas beaucoup par contre, mais il y a quelques coffres, effectivement. Mais on a des boulets dans une caisse. Il faudrait s'arrêter sur une île pour faire le plein. Oh, il est magnifique. Et vendre ces magnifiques coffres. Il est somptueux, il est somptueux.
Où est-ce qu'on pourrait trouver une carte sur ce navire? Préparez les boulets de canon. Où est la carte de ce navire? Il est beaucoup trop gros. Je crois que il y a une table sommet, avec une carte en haut, au sommet, près de la barre. Pagbo, j'ai un deuxième truc à te dire. C'était pas une rumeur, regarde bien. Tu vois ça? Oui. C'est une manette qui tire un énorme jet de flamme devant. Donc ne le tire pas à n'importe quel moment et surtout laisse-nous faire. Si tu le touches, ça risque d'être très dangereux. C'est juste une simple manivelle, regardez. Non, Pagbo! Oh. Tu viens de mettre le feu à l'île juste en face. Vous avez vu, c'est un dragon. Tout à fait, Pagbo, mais je t'en conjure, ne touche plus à rien sur ce bateau. Les squelettes, la manivelle... Ça risque d'être beaucoup trop dangereux. Messieurs, je crois que nous devons faire quelque chose. Je viens de le découvrir en regardant la carte. Ah oui? Est-ce que tu te rappelles, Falco, de ce qu'on a fait la dernière fois avec la tour? Oui, l'espèce de carte astronomique étrange. Oui, eh bien je crois qu'il y a un lien avec le Burning Blade. C'est peut-être pour ça qu'il se dirigeait ici. On peut aller voir. Oui, et je pense qu'il faudrait aller voir, effectivement. Les amis, il y a plein de trésors. Attendez, qui... Tu dis que l'impérateur sur le côté. Il faut les rattraper. Est-ce que le Burning Blade n'a pas besoin de réparation? Je crois que nos amis squelettes ici présents s'en occupent. Oh. Oui, mais nous pouvons quand même le réparer. Oui, nous pouvons également le faire, mais c'est vrai qu'ils sont là pour ça, normalement. Est-ce qu'on a tout récupéré du Diegus Imperator? Vous ne voudriez pas mettre le coffre de fortune en sûreté, capitaine? Oui, c'est vrai que ce serait judicieux comme stratégie. Je pense qu'il est plus prudent d'aller vendre ce que nous avons maintenant. Nous n'allons pas faire un émissaire complet dans tous les cas. J'ai mis tout le contenu de tous les coffres dans la caisse de stockage qui est sur le pont, capitaine. Parfait. Près du mât principal. Avec tout cet argent, capitaine, on pourra acheter plein de coffres. Et ne le dites pas à Paquebot, mais il y a des feux d'artifice dedans. Oui, j'espère que... Oh! Il y a des tonneaux d'un boulet de canon plein à ras-bord sur ce bateau. Nous aurons de quoi nous défendre. Bien sûr, pas de mention du pack de feux d'artifice à Paquebot, bien sûr. Capitaine, sinon nous avons 99 boulets ici. Bien, parfait. Oh, vous avez vu ce bateau, n'empêche, c'est vraiment extraordinaire. Profitez-en parce que, à mon avis, c'est pas demain la veille qu'on revivra quelque chose de la sorte. Quelle est votre destination, capitaine? Je propose qu'on aille vendre tout le débutin avant que quelqu'un vienne nous chercher des noises. Au repère de la faucheuse, donc. Capitaine, j'estime avoir bien travaillé et je me demande de faire un somme. Autorisé, Paquebot. C'est vrai qu'on a... On a quand même pris le contrôle de ce bateau, c'est pas rien en termes d'émotion. Non, je dirais pas en mérite plutôt que le repère de la faucheuse. Il est vraiment juste à côté. C'est vrai, c'est plus intelligent. Bonne j'espère nuit, qu'on pourra vendre... Bonne nuit. On pourra vendre tout ce qu'il y a sur le bateau, j'espère. Je pense. Étant donné que nous sommes sous l'émissaire du repère de la faucheuse, peut-être que certains trésors ne seront pas vendables dans n'importe quel port, mais... Alors, peut-être faut mieux qu'il alors aller au repère de la faucheuse. Dans ce cas, j'ignore vraiment si c'est obligatoire, mais je pense qu'on ne peut pas vendre n'importe quoi, n'importe où avec cet énorme bateau. Allons d'abord au repère de la faucheuse, voir ce qu'il en est. Je vais relever l'ancre, capitaine. Bien. Plein est. Je viens t'aider pour l'ancre. Le squelette ne pourrait-il pas s'en occuper? J'avoue que j'ai du mal à communiquer avec eux pour l'instant. Ils ont l'air assez sous-évolués. C'est juste derrière l'île qui est droit devant nous, capitaine. Oh, c'est incroyable à manipuler. J'espère que... Où sont les voiles? Les amis, j'ai comme l'impression d'entendre quelque chose de très étrange dans mes oreilles. Je crois que c'est le bateau qui grince. Ah, ça doit être ça. Mais quel est donc ce fort, capitaine? C'est ce dont je parlais. Ah oui, c'est ça. Juste c'est, là. C'est la, les fameux énigmes astronomiques. Nous aurons l'occasion d'y passer sûrement, mais je propose d'abord qu'on sécurise les biens. Bien, capitaine, c'est très raisonnable. Oh, vous avez vu, n'empêche, profitez de cette vue, profitez de ce bâtiment. C'est vrai qu'il en jette. La vigie a l'air si haute.
Et il y a des boulettes, il y a des canons partout. Il y a des canons partout, il y a trois cales, il y a deux sous-sols, il y a quatre mâts. Et des squelettes, capitaine. Exactement. En tout cas, la manivelle pour cracher le feu à l'avant est rechargée. En cas d'attaque frontale. Capitaine, il droit devant, il va falloir changer de cap. Oh, le soleil se lève, en plus on va pouvoir l'admirer davantage. Avery, si toutes ces aventures nous arrivent, c'est en partie grâce ou à cause de vous. Je vous donne l'honneur de piloter cet engin sublime. Avec grand plaisir. Il va falloir contourner Wanderer Refuge et aller plein est après. Et nous serons pas très loin du North Star Seapost. Donc on pourra faire d'une pierre deux coups. Oui, mais malheureusement, je crains que je dois m'absenter pour la suite de cette aventure. Ah, non. Au moins, amenons ce bateau jusqu'au père de la faucheuse et... Et ensuite, vous ferez ce dont bon vous semble. Oh, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a au sommet de cette vigie. Vos 10 squelettes, vous faites vraiment peine à voir. Je suis réveillé, capitaine, et je vous souhaite une excellente journée. Plein de bisous. Vous avez vu, ces squelettes ont une tongue sur deux. Ça me rend foudrage. Paquebot, viens voir ces sublimes sandales de squelettes. C'est du jamais vu. J'arrive, capitaine. Regarde. Mais si... C'est du massif, ça, capitaine, je reconnais. Cette mode d'avoir une sandale sur deux est absolument géniale. J'ai très envie de n'avoir qu'une sandale sur deux, capitaine. Mais j'ai peur d'avoir mal aux pattes. Regardez, ça doit être leur chef. Il est bariolé. Leur chef, c'est nous pour l'instant. Mais non, regardez, il a des peintures et des flèches dans la tête. Pas trop chaud là-haut, à la vigie? C'est tout comme sur le Tigus Imperator, capitaine. Bon, voilà, dans ce cas-là, sauf tout va bien. En plus, il y a du feu en haut des mâts. C'est vrai que ça doit être plutôt chaleureux là-haut. C'est le moins qu'on puisse dire. Oh là là, on a quand même réussi à le trouver, ce foutu Burning Blade. On a pris le contrôle. C'est fou, c'est dingue. Il est vraiment sublime. Même si un peu macabre avec tous ces bruits de squelettes qui nous entourent. Capitaine, île de la faucheuse en vue sur tribord. Au moins je me sens moins seul. C'est vrai, capitaine Avery, c'est un petit peu comme si vous aviez retrouvé tous vos amis. Oui, mais enfin mes amis n'étaient pas faits de d'os. Si je pouvais retrouver mon véritable équipage, ce serait vraiment mieux. Est-ce que c'est l'île qui est droit devant? Je pense, capitaine. On s'approche. Oui, quand le ciel change de couleur de cette façon, c'est qu'on approche des enfers. Relevez la voilure, bande de chiens galeux. Tout de suite, capitaine. Bon, je parlais surtout aux squelettes. Ils n'ont pas l'air de faire grand chose là-dessus. Ils ont plutôt l'air de se promener allègrement. C'est surtout pour ça que nous avons réussi à les couler aussi facilement. Exact. Un tas d'os poussiéreux. Rien de plus. Mais vous, capitaine, merci du compliment. Pas un tas d'os poussiéreux. Enfin, c'est... Oui, enfin... Capitaine. Tas d'os qui peuvent être aussi plein de talent, mais... C'est... Bon. Effectivement, on est arrivé. Le repère de Flame Earth est sur l'île en face. Remettez un peu de voile. Allez-y. Ajustez la voilure pour avoir une douce allure. Pour ne pas percuter d'autres rochers, ce serait fâcheux de le couler. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire. La voile avant est top. Sublime. Quel bâtiment impressionnant. Capitaine, est-ce que vous savez si l'initiation s'applique aussi au Flame Earth?
Je crois que le Burning Blade, comme tous les autres bateaux, est sujet à l'inertiation, malheureusement. Essayez de vous arrêter au ponton, Avery. Comment ? Essayez de vous arrêter près du ponton. Il faudrait déjà que j'arrive à le voir. Il est juste devant. Il est droit devant. Droit devant. Ah, celui-là. Vous voyez l'autre en fait. Pas de problème, au moins on arrive à bon port. Nous faire on est arrivé, la voile, la voile. La voile est déjà relevée, non ? Oh non, bien trop tard. Non, c'est ah, mais ces foutus squelettes sont donc bons à rien. Je te laisse à bord. Est-ce qu'on peut lui apporter nos trésors ? C'est ça la question. Vous êtes. Vous avez effectué un parquement bien propre. Félicitations. Merci. Capitaine, j'ai le coffre Athéna avec moi. Oh, yeah. Bien, descendons les coffres, voir si. S'il sera ravi de les voir ou pas. J'ai un peu peur de le croiser, j'avoue. Je dois être honnête avec vous. Il devrait être content qu'on lui ait ramené son bateau, capitaine. Ah oui, j'espère. Capitaine, j'ai l'impression que le capitaine Avery a pris ses aises. Regardez. Ce n'est pas le capitaine Avery. Enfin, paquebot, c'est... C'est le capitaine Van. Bonjour à vous, flâchez manqué, les amis. Je suis capitaine Flammers. Ne me coupe pas quand je parle, rondouillard. Je te fais enlever les os un par un. Ah. Oula. Vous avez donc réussi à me ramener mon Burning Blade. Avery, te revoilà. Tu m'avais manqué. Bien, à ce que je vois, tu as réussi à me ramener mon navire. Comme prévu. C'est vraiment très aimable à toi. En attendant, qu'avez-vous à me dire ? Je vois que vous êtes tous ici avec vos petits trésors. Vous voulez peut-être que je vous les rachète ? J'ai peut-être l'air d'un marchand, c'est ça ? Avery, qu'est-ce qu'ils font là, tes clowns ? Donne-moi de l'argent et rends-moi mon corps. Sinon, ton bateau, au fond de l'eau. Ce serait fâcheux. Il vient tout juste de me mettre restitué et tu voudrais déjà me l'enlever. Ce n'est pas gentil, Avery. Et toi, tu m'as supprimé mon corps et pourtant je suis toujours là. Je fais tout ce que tu m'as demandé, alors pourquoi tu me le rends pas ? Avery, chaque chose en son temps, voyons. Il me faut d'abord tous vos trésors, le serment comme quoi vous me restituez mon navire après avoir écumé les mers avec blablabla. Vous ferez ce qui vous plaît, en tous les cas, il me faut votre accord signé de votre sang pour pouvoir être sûr de lever la malédiction. Sinon, je ne peux rien faire pour vous, malheureusement. Alors, dans tous les cas, c'est moi qui déciderai si vous restituerez votre corps ou non à la fin de cet échange. Donnez-moi vos trésors et on en rediscute après. Capitaine Flamer, vous avez l'air complètement tilté. Enfin, dans tous les cas... Capitaine Flamer. Je peux vous donner ceci. Est-ce que ça vous convient ? Ça a l'air bon. Les amis, il y a son acolyte à côté, je crois qu'on peut lui vendre nos coffres. Allons-y avant que je n'ai plus de quoi changer mes pantalons. Allez, les amis, il faut vendre les coffres. Allez. Capitaine, vous sentez très mauvais. Non, c'est pas. En fait, c'est pas par rapport au combat de tout à l'heure. Enfin, non. Allez. Bon. Il veut pas prendre ce foutu coffre. Bon, écoutez, on lui donne ce qu'il a envie de prendre et le reste, on s'en occupera dans un. Comment dire ? On s'en occupera. Attends. Dans un relais de vente habituel, à savoir un avant-poste. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Il fait vraiment peur ce type. C'est marrant, il a le même timbre de voix que le passeur.
Vous avez le même timbre de voix que le passeur, vous avez de la famille en commun, peut-être. Bref. Continuons de vendre et partons d'ici le plus vite possible. Où sont le reste des... Oh ! Le coffre de fortune, c'est ça qu'il ne veut pas prendre. Effectivement, il faut le vendre à un avant-poste. Je comprends, je comprends. Le reste des trésors est caché où ? J'ai oublié cette information. Dans la cale, je crois. La cale. C'est à l'avant. Je suis perdu sur ce bateau, il est tellement immense. Non, capitaine, c'est là. Ah oui, là. Il reste deux coupes en bas. C'est vrai, c'est vrai. Dans la dernière cale, ok. C'est bien vrai. Oh, vous avez vendu le coffre maudit, bien joué les amis. Oh, mais il y a des coffres de stockage. Oh, dommage, ils sont vides. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu que Flammers. Il m'avait pas manqué. Moi non plus. En tout cas, Avril, je sais pas toi, mais son charabia, là, j'ai comme eu l'impression qu'il essayait de nous entourlouper. J'espère vraiment que cette malédiction va être levée. On a fait tout ce qu'il nous a demandé. J'ai bien peur que... qu'on se fasse entourlouper, comme tu le dis. Ah, allons voir ça. Mais malheureusement, si on ne tente rien, on ne le saura jamais. C'est vrai, c'est vrai. Dans tous les cas, on est sur les deux pistes en même temps. Donc autant essayer. Toute cette histoire m'a un peu chamboulé, je pense que... Regardez, je vais devoir aller me reposer. Non, sucre. Paquebot. Du sucre de canne. C'est une caisse de stockage, pas du sucre, Paquebot, tu confonds. Allez voir, pour vous détilter, ça sera super. Fichez-moi le camp d'ici, je ne veux plus jamais vous voir. Partez, avant que je change d'avis sur votre sort. Paquebot, viens. Viens, ne restons pas ici. Je laisse le sucre à l'entrée. Non, non, Paquebot, c'est une caisse de stockage. Reviens ici. Oh. Avec la caisse. Est-ce qu'Avril est parti? J'ai repris la caisse de sucre. Bien, amène-la au bateau. Messieurs, ce fut un plaisir, mais je vais devoir vous quitter. Avril. Cette histoire m'a complètement chamboulé. Oui, j'imagine bien. Attends. Écoute, attends. En espérant que on n'ait pas fait tout ça pour rien. Ah, t'es là. Dans tous les cas, on verra la prochaine fois qu'on se recroisera si ça a fonctionné ou non. En tout cas, je te souhaite de te rétablir parce que c'est vrai qu'on en a vécu des belles aujourd'hui. Effectivement. Bon, écoute. Merci à vous, vous avez été de magnifiques matelots aujourd'hui. Sauf toi, Falco, évidemment, comme d'hab. Bien sûr, tout à fait. Toujours la même rengaine avec toi. Ah, bon, les amis. Le capitaine Avril va nous quitter. Et il nous reste du pain sur la planche. On a pas mal de caisses de stockage qu'il faudrait remplir et des coffres encore intacts à vendre d'ailleurs. Mais on en a qu'un seul d'ailleurs. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'ils sont passés? Ah, Paquebot. Je suis la capitaine. Paquebot. Bonjour, capitaine. Mousse. Bon. Mousse. Vous n'entendez plus à Mousse. Mais Mousse. Qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Mousse, vous avez complètement changé d'apparence, vous êtes transformé en cette espèce de sous-fifre de Flammers. Je ne sais pas ce qui s'est passé, capitaine, tout à l'heure quand je lui vendais son coffre, il m'a parlé et tout s'est embrouillé dans ma tête. Vous êtes vraiment nul. Un vrai homme du capitaine n'aurait jamais fait ça. Paquebot, toi aussi, t'es complètement... Je n'ai jamais fait ça. Mais... Capitaine, qu'est-ce qui se passe? Mais les amis, qu'est-ce qui se passe? Paquebot, est-ce que vous aussi vous êtes parlé? Vous êtes au service de... Voix. Oh non. Est-ce que je dois me méfier de vous? Mais non, capitaine, bien sûr que non. Vous êtes à sa merci, vous êtes à son service. Est-ce que vous avez pris la malédiction, vous aussi? Mais pas du tout, capitaine. Non, capitaine. Ok, alors dans ce cas-là, dites-moi un truc que chacun d'entre vous dirait. Paquebot, tu viens de cracher du feu? Mais qu'est-ce qui se passe? Non. Oh, vous êtes devenu complètement fou, vous avez des nouveaux pouvoirs, qu'est-ce qui se passe? Oh, ce satané Flammers va me le payer. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ce sont mes amis. George, Thibault,
Mettons le câble pour d'ici. Descendez les voiles. Vraiment ce qui m'arrive, c'est quand je vais parler que je me suis senti obligé de me changer. Je ne sais pas pourquoi, mais. Ah, il vous a demandé de changer de vêtements. Je ne suis pas maudit et que je vous suis fidèle. Ok, okay, très bien. Écoutez, ça vous fait un nouveau look en tout cas. Il va peut-être falloir que je m'y fasse. Dans tous les cas, si ça vous dérange pas, j'aimerais mettre les voiles très vite. Il faut disparaître. Peut-être que si on s'éloigne, la malédiction va s'arrêter. Oh, c'est possible, oui. En tout cas, moi j'ai été. Ma malédiction a l'air de s'être levée, enfin celle qui te permettait de me voir en squelette. Et Avril, lui, quant à lui, a perdu toutes ses forces et a dû nous quitter, malheureusement. Dans ce cas-là, ce qui nous reste à faire, c'est de. Capitaine, je crois qu'à propos de malédiction, nous y voilà. Le monde change, des dangers apparaissent, entre ciel sans limite et mer traîtresse, sur les vagues déchirées, leurs voiles affalées, ces navires viennent tout piller. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui... Mettons les voiles, messieurs, toute voile dehors, il faut quitter les environs au plus vite! Ah boum, te voilà! Toi aussi, tu nous as suivis. Oh, ça m'étonne pas, vu tes pouvoirs magiques. Vite, il faut déguerpir. Dans tous les cas, Avril nous a quittés et on ne sait pas si sa malédiction s'est vraiment levée. Je doute que Flammeur soit aussi clément avec nous. Dans ce cas-là, je vous propose de continuer là où nous devions aller à la base, à savoir The North Sea quelque chose. North Star... 6 postes, voilà, tout à fait. Il faut qu'on aille... Oh, je suis complètement perdu. Il faut qu'on aille... Nord-ouest. Nord-ouest, paquebot. Vous avez entendu cette phrase ou c'était que dans ma tête? Les amis? Paquebot, il se moue. Vous m'entendez, capitaine? Ah, capitaine? Oui, ça y est. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous entends, mais j'ai eu comme une absence avec la voix de Flammeurs qui a résonné en disant une phrase. Baissez la voilure, on va se prendre cette île, capitaine. Non, c'est bon, si tu la contournes, ça le fait. Nord-ouest. Pas besoin, ça devrait aller. Elle est encore loin, paquebot. Nord-ouest. Ah, vos accoutrements me mettent mal à l'aise, je ne sais plus où me mettre. J'ai l'impression d'être le prisonnier de ce bateau. Je me sens faible, il faut que je... Paquebot? Je dois aller vomir. Paquebot? Oh non, il faut que je reprenne la barre. Nord-ouest. Je me sens comme le prisonnier de ce bateau. Est-ce que je me serais fait manipuler? Est-ce que je vais aussi recevoir une malédiction? Ah, pourquoi est-ce que j'ai suivi ce maudit Avril dans cette histoire? Oh, il y a un bateau plein de choses qui brillent là-bas. Ah, ça m'attire terriblement. Capitaine. J'ai moins mal à la tête depuis qu'on s'éloigne de l'île. Ah, ça y est, le repère maudit. Oh, tout va bien. Oh, il se mousse, te revoilà. Oh, ça me fait tellement plaisir. J'ai tellement eu l'impression d'être complètement manipulé et tout seul. C'était c'est terrifiant. C'est vraiment ce qui s'est passé, capitaine. J'étais plus vraiment maître de mes mouvements tout à l'heure. Ah oui, c'était terrible. J'ai comme eu l'impression que vous étiez plus du tout vous-même et que vous étiez kidnappé par cette espèce d'accoutrement étrange. Mon cerveau répondait, mais mon corps m'appartenait pas. Il y a un sloop à tribord, surveillons-le. Et capitaine, en tout cas, j'ai mis quelque chose de tout noir dans l'océan. Oh non, j'espère que ça va mieux. J'ai besoin de vous tous, j'ai besoin de vous. Je me sens différent, paquebot. Capitaine. Paquebot, te revoilà. Ah, ça me soulage. Et non, mais... Capitaine, je me sens différent. Paquebot, cette malédiction t'a fait une coupe complètement immonde. Tu as des cheveux atroces, paquebot. Non, c'est pas possible. Tu as un bandeau de boys band, quoi que ça veuille dire. Non, les gars. Il s'est suicidé, capitaine. Je préfère mourir, capitaine. Non. Que d'avoir cette chevelure ridicule. Non, paquebot, c'est pas le moment de nous quitter. Capitaine. Paquebot. Je reviendrai. Oh non. C'est pas le moment. Il faut absolument qu'on continue. Il faut qu'on poursuive. Nord-ouest. Normalement, le cap est bon. The North Star Sea Post. On y est presque.
Je commence à remonter les voiles, capitaine. Je vois quelque chose. Moi aussi, je vois quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui brillent et malheureusement, la visibilité est assez restreinte. Oh là là, cette histoire avec ce maudit flammeur. Ça ressemble à... Capitaine, bâbord. Un petit stylo. Ah oui, je le vois. Capitaine. Devant, c'est capitaine. Quoi? C'est un navire? C'est un navire squelette qui nous arrive dessus. Oh oui, un navire squelette. Préparez-vous au combat, messieurs. On va apporter plus de trésors qu'on n'en a jamais eu. Très bien, capitaine. Attendez, il faut que je teste. Il faut que je capitaine, teste. Capitaine, je prends la barre. Oui. Je prends la barre, allez, je sais ce que vous voulez faire. La manivelle, il faut la tester. Capitaine, il faudrait que je vous parle après ce combat. Bien sûr, et en attendant... une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Il faut charger les canons. Surtout une mauvaise nouvelle. Ah, oh, Paquebot, je déteste quand tu parles comme ça. Pardon, il faut charger capitaine. Les canons. Charger tous les canons possibles. Vous les je veux voir cette... de mon côté. Paquebot, il faut qu'on atomise ce bâtiment avec la flamme à l'avant. Surtout, ne l'utilise pas, laisse Ismous le faire. Ah non, capitaine, je comptais vous le laisser. Ah, ok, très bien. Dans ce cas-là, il faut aller dessus frontalement. C'est ce que je fais, capitaine. On s'approche. Il est face à nous, capitaine. Je crois que ça va être capitaine. Un peu loin encore. Tourne à bâbord, prends sa direction face. On arrive droit sur face, bougez légèrement vers bâbord. Très légèrement vers bâbord. Okay. C'est parfait, on est aligné, capitaine. Il faut l'enflammer, Ismous, je te laisse faire. Impressionnant. Entrez-moi, capitaine. Levier tiré, capitaine. C'est très impressionnant, il est complètement enflammé. On va faire qu'une bouchée de ces individus. Il faut lui tirer dessus maintenant. Aligne-toi sur bâbord. On l'atomise. Et bah alors, mon grand. Je crois qu'il en faut pas beaucoup plus. Il est complètement allumé. On va le voir de loin celui-là, je peux vous le dire. Navire coulé, capitaine. Est-ce qu'on est sûr qu'il est hors d'état de nuire? Ça reste des maudits squelettes. Mais... cessez le feu! Attendez, j'ai l'impression qu'il est encore parfaitement en état. Allumez-le! Toi, tu vas pas durer très longtemps, mon grand, je te le dis. Il a réussi à s'éteindre! Les amis, c'est une catastrophe. Il écrivait trop, capitaine. Pas intérêt qu'il nous résiste après ça. Comment un navire aussi enflammé peut s'éteindre? Visez en dessous de l'eau. Je vais aller m'occuper du navire, j'ai l'impression qu'on tanque vachement. Normalement c'est le boulot des squelettes, mais va leur donner un coup de main. C'est toujours utile. Ah mais oui. Ils sont sacrément efficaces. Au moins ils nous servent à quelque chose, au lieu de faire des bruits insupportables dans nos oreilles. Ah, j'arrive pas à voir l'angle. Capitaine, j'essaye de tourner plus vite, mais c'est compliqué. J'ai pris un coup de shrapnel dans les côtes. Ah. Vous voulez quelque chose à manger, capitaine? Ça va aller pour l'instant, il faut qu'on le coule avant. Boulet à dispersion. Chargé. Oh, j'ai réussi à le toucher. On est à portée des boulets à dispersion. Ils sont très efficaces, n'hésitez pas à les utiliser. Il est très résistant, c'est du jamais vu. Oh, il est sous l'eau, ça y est, stop, cessez le feu. Le voilà coulé. Rechargez les canons. Il faut qu'on remonte cette voile. Parfait, vous êtes très efficace, Ismous. On va se faire un petit pactole avec tout ça.
Ah, ce canon, Captain, est idéalement bien placé près du gouvernail pour me permettre de tirer. Oh, franchement, si vous aviez vu le spectacle que vous nous avez offert avec cette manivelle, c'était vraiment incroyable. J'espère que c'était bien visé, Captain. Ah oui, c'était parfait, il a pris feu comme il se doit. Ce que je trouve fou, c'est quand même qu'ils ont réussi à l'éteindre, malgré tout. Ah, mais ce sont des squelettes, Capitaine, vous savez bien que les squelettes ne craignent pas le feu. C'est vraiment ça qui a posé problème dans cette manipulation, mais c'était très bien tenté. Paquebot, cette coupe! Enfin! Capitaine, justement, il fallait que je vous en parle. Quelle est cette mauvaise nouvelle? Quand j'ai sauté dans l'eau, j'ai été récupéré par une sirène et... elle-même m'a dit que cette coupe était absolument inhumaine. Elle m'a donc révélé le secret pour pouvoir récupérer ma chevelure d'antan. Oui, parce que, effectivement... Il faut sacrifier pour une capitaine. Quoi? Pour une simple coupe de cheveux? Est-ce que c'est pas un peu... Capitaine... Il faut sacrifier l'œil de Boom. Oh non, mais c'est... Paquebot, tu te rends bien compte que la balance... Il y a un problème dans la balance. On peut pas sacrifier un animal qui n'a rien demandé pour une simple coupe de cheveux. Il suffirait de les refriser, par exemple. Capitaine, il n'y a pas d'autre moyen. Oh non. Ok, Paquebot, je comprends. Je comprends très bien. Cette coupe est trop immonde pour que tu la gardes sur ton visage sans que je puisse capitaine. Te détester. Ah, J'ai besoin de vomir. Monsieur ridicule. Paquebot, tu dois prendre un couteau et mutiler l'œil de Boom, par pitié. Fais-le. J'ai besoin de m'y préparer, capitaine. Fais-le. Je ne peux pas. Pas tout de suite, capitaine. On a eu du beau monde ? Laissez-moi dire. Adieu. Pas grand-chose, capitaine. Ah, c'est déceptif. Peut-être qu'on a en mettant le feu au bateau, on a fait cramer la moitié des trésors. En attendant... Et ce qui serait bien, c'est d'arriver enfin à ce foutu North quelque chose. On y est proche. The North Star Seapost. Capitaine. Comment? Peut-être qu'on peut s'y canonner. Je vois le fort de là. Oh. Où est-ce qu'il est? Il suffit bien d'avoir un angle. Ah, oui. Le voilà derrière. Oh, ça ne coûte rien de s'en approcher un peu. À vos ordres, Capitaine. Je vais gérer la voilure. En attendant, continuez le pilotage. Ah, ce bateau est vraiment exceptionnel. Oh. Il est tellement maudit que la corde arrive à traverser le bois ici qui a l'air d'être flottant. C'est du jamais vu. C'est vraiment de la magie noire, je ne connais pas cette sorcellerie. Ah, je ne vois pas comment ce bateau peut faire pour naviguer autrement vu la maniabilité qu'il propose. C'est très étrange. Alors qu'il est presque deux fois plus gros que le nôtre. C'est vrai. Un mastodonte des mers comme celui-là marche forcément avec de la magie. Oh, j'ai besoin d'aller à cette vigie. Si nous mettions le feu à l'avant-poste, capitaine. Je pense que malheureusement, il est fait d'amas de cailloux et ce serait plutôt déceptif à mon avis. Il n'y a qu'une seule manière de le savoir. C'est vrai. Après, si le temps de rechargement n'est pas trop long et ce n'est pas trop risqué, on peut toujours essayer. Wow. C'est vrai que la vue est folle. Oh, la portée est assez impressionnante quand même. Je me rends mieux compte. Il faut relever la voile avant, Paquebot. Je suis à la vigie. Oh non, j'espère qu'il ne va pas faire du mal à ce pauvre Boom. En même temps, cette coupe est trop immonde pour que je le regarde dans les yeux encore une fois. Autant sacrifier un animal. On s'approche tout doucement. Poste, capitaine. Ah, malheureusement, l'inertiation nous joue des tours. Les amis, l'inertiation nous a joué des tours. On est encore un peu loin. Je remets un peu de voile. Un tout petit peu. Juste ce qu'il faut. Ah, le grappin, bien sûr. Je relève. Nous sommes stabilisés. À part avec l'inertiation, bien sûr. C'est toujours le même problème. Allons voir ça. Ah, oh, je suis tellement heureux que vous ayez retrouvé vos accoutrements habituels, à part cette coupe de cheveux immonde, bien sûr. Regarde, capitaine, c'est ce fameux Nudes dont parlait... Oh, c'est lui. Parlait Madame Oliviard. C'est pas Nudes, c'est Suds. Enfin. Excusez-moi, capitaine, elle parlait dans sa barbe. C'était compliqué de comprendre ce qu'elle disait. Les étoiles ont des noms? Qu'est-ce que vous baragouinez? C'est la reine des mers
Et le serpent charmeur ne sont pas de simples étoiles, ça, non? Des constellations. Regardez, capitaine, on dirait que son journal est à côté de lui. Ah, bien sûr. Je crois que ça va être compliqué de continuer avec ce bateau qui nous risque de nous empêcher de, d'aller dans les endroits que nous voulons. Il va falloir aborder... aborter cette mission de continuer les Shards of Gold avec le Burning Blade sous la main. Je crois que c'est incompatible. Autant nous faire un maximum de pognon, capitaine. C'est vrai, Avery n'est plus là avec nous, il faudrait mieux qu'il soit présent pour nous indiquer la direction, c'est sa mission après tout. Oh. Et sans vouloir vous offenser, le capitaine Avery dirige très bien la barre. Non, oui, c'est vrai, il faut le reconnaître, lorsque la vérité saute aux yeux, il est inutile de la cacher d'une quelconque manière. Ah, comme quoi, vous voyez, Ismou, le capitaine n'allait pas du tout s'offenser en lui apprenant qu'il dirigeait bien plus mal le bateau que le capitaine. Mais bon, la prochaine fois que tu le complimentes lui et pas moi, Pagbo, ça risque de mal finir. Pardon. Mais vous êtes beaucoup plus beau. Ça ne fait aucun doute, c'est quand même pas si compliqué, je suis fait de chair et lui non. C'est limite insultant ce que tu dis là, Pagbo, comme si ce n'était pas une évidence. Non, capitaine, je ne disais pas ça pour vous insulter. Bon, les amis, ça y est, maintenant on a assez rigolé. Il va falloir se faire de l'argent en utilisant ce bateau. Ce maudit flammeur nous a emprisonné avec. Eh ben, dans ce cas-là, autant en profiter. Auriez-vous une suggestion de cap à suivre? Les coffres à bâbord qui traînent dans l'eau. Vous pouvez les récupérer juste avant de partir. Oui, déjà, c'est une bonne idée. Je vais étudier le journal dans les quartiers du capitaine du flammeur. Enfin, du Burning Blade, plutôt. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, je ne vois rien. Ce sont des fruits. C'est complètement incompréhensible. Il y a le journal ici. Quelque chose ne va pas avec avec ces missions. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? J'ai comme l'impression qu'il y a un souci. Ah non, il faut améliorer, évidemment, le service de la flamme. On est au service de la flamme. Il nous faut donc des missions en rapport avec le service de la flamme. Ah, je suis complètement perdu dans tous ces journaux. Capitaine, regardez. J'ai comme l'impression que c'est inaccessible. Pagbo, oui? Pagbo, qu'est-ce que tu fais? Capitaine, le bâton tremble dans mes mains. Va-t'en. Pagbo, je n'arrive plus à le contrôler. J'ai l'impression que tu es en train de te fragiliser ta mentalité et ton cerveau. Alors, donne-moi ce bâton, c'est trop dangereux. Si vous voulez, capitaine. Mais vous promettez de pas juste vous amuser avec. Boum, boum. Qu'est-ce que fait boum? Je sais pas. En tout cas, tu as toujours cette coupe de cheveux, Pagbo. Faire ce qu'il est nécessaire de faire. Je crois que c'est le moment. Ne lui fais pas mal. Petit gentil mignon. Capitaine, est-ce que je pourrais manger Boum? Non. Non, jamais. Jamais tu ne mangeras Boum. Viens ici. Jamais. Ah, les amis, il est pas... où est-ce qu'ils sont? C'est pas l'heure de jouer à... Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce que tu te caches, petit enculé? Mais enfin, où est-ce qu'ils sont passés? Mais il y a de l'eau dans cette cale. Hop, il y en aura encore plus maintenant. Où est-ce qu'ils sont passés encore ces deux-là? Ah, Ismousse, te voilà. Bon, écoute, cache Boum. J'ai l'impression qu'il veut lui crever un œil pour retrouver. Il va nous trouver. Pardon, oui. Non, il faut que tu le caches. Parce que sinon, il va crever l'œil de ce pauvre chat juste pour une coupe de cheveux. Enfin, j'en sais rien, je comprends rien de ce qu'il m'a dit.
Il faut pas que je le lâche. Dès que je le lâche, il court vers Pagbo. Ok, il faut que tu le mettes quelque part où il ne pourra jamais le trouver. Dis-lui de s'asseoir quelque part, un endroit précis. Peut-être, je sais pas. C'est un chat, capitaine, je ne peux pas lui dire de s'asseoir, il ne va pas l'écouter. Donne-le-moi. Regardez par vous-même. Regarde, si on arrive à le placer à un endroit et qu'on le dresse, il devrait arrêter de bouger, n'est-ce pas? Attends, on va essayer. Capitaine Falco, y a pas une surface. Qu'est-ce que vous faites sur le pont avec Boom? Là, bon, tu vois, si on lui dit de le mettre ici, il pourra... Oh non, pas que beau. Capitaine, oh non. Cette vision non. Est terrifiante. Non. Capitaine, non. Je crois non. Que j'ai trouvé Vous regardez Boom. Pas dans la vigie. Non. Il est terrifiant, vous avez vu cette coupe en même temps. Est-ce que ce serait pas légitime de crever l'œil d'un chat pour arrêter de voir cette vision d'horreur? Si, capitaine. Je crois qu'il faut le laisser faire. Sacrifice du monde. Boom, et tu sais quoi? En plus, c'est un chat magique. Il ne craint pas les tirs de canon. Ça ne devrait pas lui faire Attendez, mal pour le moins du monde. Je vais régler le problème une bonne fois pour toutes. J'y arrive, Boom. Non. Oh non. Pagbo. Si vous pouvez lancer une boule de feu. Non, non, pas du tout. Vous n'avez rien fait, capitaine. Bon, écoute, on a autre chose à régler. Ismousse, j'ai besoin de toi dans les quartiers. J'ai un problème d'ordre urgente. Je vous suis capitaine. Laissons-le faire ses affaires. Regarde, quand j'essaie d'accéder à cette espèce de carte, j'ai un énorme problème. Je n'arrive pas à la lire, elle a l'air complètement cassée. Pour vous dire la vérité, capitaine, j'ai très exactement la même chose. Ah bon, ok. Pour vous dire la vérité, capitaine, j'ai très exactement la même chose. Donne-moi ça. Peut-être en sacrifiant le deuxième œil de Boom. Non. Écoute, Pagbo, si tu touches encore à ce chat, je te tranche la gorge. Mais ma coupe de cheveux, capitaine. Fais-le en toute discrétion. Ne le montre pas à Ismousse. Il aime beaucoup trop les animaux. Bon, il faut qu'on trouve le moyen de faire de l'argent maintenant. Capitaine, vous êtes vraiment dur. C'est promis. Je ne toucherai pas à Boom. Merci. Oh non, le feu. Mousse, mais... allez vous occuper du feu. Mais où est-ce que t'as... Quel feu? Le feu, le feu. J'entends du feu aussi. J'entends du feu aussi. Ça a marché, capitaine, ça a marché. Dépêche-toi, Pagbo, je veux plus te voir avec cette coupe. Alors, sur le cercueil... Comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire de l'argent, hein, Ismousse? C'est la question qu'on se pose. Pagbo, quel feu? C'est tout. Où est-ce qu'on peut faire de l'argent rapidement? Vite, il faut leur changer les idées, ils commencent à devenir fous. Un fort, peut-être un fort, quelque part? C'est vrai qu'on est immobile depuis trop longtemps. Ah, voilà, capitaine. Est-ce que vous avez pas vu Pagbo? Il m'a dit qu'il y avait du feu sur le navire. Oui, c'est à la vigie. Je crois qu'il y en a beaucoup trop et que ça risque d'être dangereux. On risque D'accord, de brûler le bateau. Ouh, c'est bon, Isma. J'ai réussi à... Ouh, le feu est éteint. Ouf, qu'est-ce qu'il faisait chaud. Ouf. Bon, ça y est, t'as réussi. Oh, mais tu as toujours ce bandeau hideux sur le crâne. Je peux l'enlever. Après tout, si c'est toi qui l'as mis, tant que ton afro est de retour, ça me va. Ah, Pagbo. Oui, le feu a fait crépure mes cheveux. C'est le feu, c'est... Oh, merci pour cette eau. Les amis, j'ai l'impression qu'il y a vraiment le Burning Blade qui prend feu. Regardez, juste à l'avant, il y a de la fumée noire, très inquiétante. Mais c'est pas vrai. À l'intérieur, peut-être? À moins que ça ne soit les flammes... Oui, c'est probablement... Ça m'a l'air d'être les flammes du Burning Blade. Oui, c'est probable. Bon, les amis, il nous faut quelques missions pour faire de l'argent, mais je crois que... Capitaine, je suis en feu. Qu'est-ce que... Capitaine, j'arrive, Pagbo, éteins-moi. Où est-ce que t'es? J'arrive. Le feu était éteint par les squelettes et moi-même. Mais vous avez une bombe incendiaire dans la main. Nous ne sommes pas passés loin de la catastrophe. Mais je les ai récupérées, elles étaient par terre derrière moi. Ah, c'est pas possible, ce bateau me fout la chair de poule pour être honnête avec vous. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on trouve un cap, Il faut qu'on mette le cap quelque part, bref. Il faut trouver une mission. Capitaine, où vous voulez? Il faut trouver une mission, une île, un fort, quelque chose.
Ou alors, si vous voulez... Ah, sinon, comme vous n'avez encore jamais fait, on peut se trouver une île. Ce serait fort intéressant. On se trouve une île avec les énigmes astrologiques et on revend le précieux bijou qui vaut très très cher pour augmenter l'émissaire de ce bateau. On pourrait faire bien ça. Bien sûr, mais comment faire, capitaine? Il faut trouver une île avec du feu au-dessus et avec ses pouvoirs magiques d'astronomie, là. D'accord, alors autant être en mouvement pour ça, capitaine. Oui, bien sûr. Toute voile dehors, bien sûr, évidemment. On a été assez distrait pour le moment. Là, paquebot remonte la carte. Là, on en voit une. Elle est juste au sud. Juste au sud de nous. Mais... Celle-ci ? Oui, là-bas. Que ça suit le bateau, capitaine. Queen Groves ? Ça suit le bateau ? Comment ça ? Mais regardez. Regardez sur la carte. Attendez. Queen Groves n'a rien à voir avec tout cela. Ah, mais oui, bien sûr. Ah, j'ai dû confondre. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Il faut qu'on trouve une des îles avec le feu au bout. Ouvrez l'œil. Et surtout, ouvrez l'œil parce que nos ennemis peuvent aussi vouloir nos butins. Et ainsi que nous couler le bateau. Là ! Non ! Non, j'ai rien dit. J'ai cru que c'en était une, mais c'est juste le fort dont nous venons. On en est passé à côté d'une tout à l'heure, capitaine. Peut-être qu'on peut la retrouver. Et ça, ah oui, c'est quoi, vrai. Capitaine ? Non... Ah. En plus, le soleil va se coucher. Ça ? Non. Ça, ce sont des îles classiques. Et normalement, Oh, capitaine. Non, ça, c'est le truc, l'île dont nous venons et où on ne peut pas poursuivre la mission à cause du Burning Blade, justement. Il nous faut trouver ces îles qui ne sont pas indiquées sur la carte. Avec du feu au bout. On devrait mieux les voir de nuit, de toute façon. Ouvrez l'œil. Regardez à l'horizon. On devrait en trouver. Elles ne sont plus si rares que ça, désormais. Ça, c'est une ville, malheureusement. Ça, c'est un navire, derrière. Oh, capitaine, nous pourrions aller péter la gueule au navire. À nos risques et périls. Ah, c'est vrai, ce n'est pas un navire squelette. Vous avez non, les squelettes sont très faibles et inoffensifs, mais si ce sont de vrais pirates, ça risque d'être dangereux. C'est vrai. On pourrait aussi risquer de le perdre, mais... Naviguons tranquillement. Pour le moment, je ne suis plus d'humeur à me battre. En tout cas, pas aller chercher le combat. S'il nous tombe dessus, pourquoi pas. En attendant, il faut raison, trouver ses îles. Mais n'oubliez pas, nous sommes les plus puissants. Ah, paquebot, il ne faut pas sacrifier. Cette manivelle est très précieuse. Regarde, elle met un temps fou à se recharger. En combat, c'est trop précieux. On doit faire attention à ça. En plus, ça signale notre position. Enfin, toi, tu sais très bien ce que c'est de signaler la position. Vous voulez que je signale notre position, capitaine ? Par pitié, non. Comme vous voulez, mais... Il faut supprimer ces foutus... Il y a vraiment des ordres complètement contradictoires. Il faut vraiment supprimer le feu d'artifice. Capitaine, du feu ! Tribord tout ! Du feu, tribord ? Tribord, du feu ? Oh ! Oui ! C'est ça ! C'est ça, c'est notre cap ! Il faut qu'on aille ici. Oh là là, c'est génial. J'ai hâte que vous voyez ça. C'est d'une beauté inoubliable et inégalée. En plus, si on arrive à vaincre cet endroit, l'endroit en question nous offre un diamant ou un bijou, peu importe, d'une valeur extrêmement précieuse et très rare. En attendant, j'espère qu'on ne nous volera pas le bateau quand on sera dans les sous-sols de cette île. Ça, c'est le seul risque qu'on va devoir prendre. Je pense que le plus judicieux serait qu'on fasse des allers-retours réguliers en alternant pour aller voir si le bateau n'a pas bougé. À mourir sans péril, on vint sans gloire. Oh, c'est très beau ce que tu dis. L'ambiance de ce bateau est très cynique. C'est assez unique au monde. C'est des squelettes, capitaine. Oui, je crois. Cette absence de son un peu doux aux oreilles et ces granulements de bouche de squelette, c'est vrai que c'est pas hyper accueillant. Mais en même temps... Je préférais le bateau avec les roses. C'est vrai. Dans un sens, mais il nous reste un peu moins d'une semaine avant que le Burning Blade disparaisse des océans, alors on a bien fait de tomber dessus.
D'après les dires des légendes, le Burning Blade disparaîtrait pour toujours. Alors capitaine, vous savez ce qu'on dit. Il faut en profiter. Feu. Exactement. Vu comme ça. Bien joué, paquebot. C'est un moment unique au monde que nous en sommes en train de vivre. Dommage qu'Avril n'ait pas pu en profiter un peu plus. C'est sa faute à lui d'être un squelette, capitaine. C'est vrai. Toute cette histoire n'aurait pas eu lieu s'il n'était pas là. Je me demandais pourquoi est-ce que nous aidons ce pauvre capitaine Avril. Eh bien, paquebot, pour tout te dire, avant que nous nous retrouvions, avant cette espèce d'amnésie générale, j'ai fait pas mal de séries de cauchemars assez atroces où il était présent. Et un genre de paralysie du sommeil me hurlait qu'il fallait que je l'aide, sinon j'allais en payer les conséquences. Et j'avoue que quand il est apparu en chair et plutôt en os, finalement, sur mon bateau, sur mon propre bateau, je crois que je n'ai pas vraiment eu d'autre choix que d'accéder à sa requête. Et puis, on a quand même vécu beaucoup d'aventures et même si je n'aime pas trop en parler devant lui car ça ne flatterait que son ego, c'est quand même un bon compagnon de mer et il a des atouts qui sont quand même assez indispensables pour l'équipage. Il navigue très bien. Il navigue très bien, il est assez doué au combat, en stratégie et il connaît les légendes et les malédictions mieux que personne vu qu'il en a fait les frais lui-même. Alors c'est vrai que c'est un sujet intéressant que de l'avoir sur le bateau et on en profite nous aussi finalement, même si il a besoin de nous pour l'aider, on a aussi besoin de lui pour tout le reste. C'est un peu donnant-donnant. C'est vrai. Attention, on s'approche les amis. Voilà pour cette histoire de pirate maudit et pourquoi on doit l'aider. Même si au début j'étais plutôt contre cette idée farfelue. On relève les voiles, on s'approche. Et surtout, ne baissez pas l'ancre. Inertiabilisé. Inertiation appris. Ne baissez surtout pas l'ancre au cas où on devrait fuir d'urgence. On est un tout petit peu loin. Je crois qu'on a un comité d'accueil. Oh, ça c'est un baril explosif où je ne m'y connais pas. Allez. Vous y connaissez drôlement bien, capitaine. Exactement. L'inertiation devrait faire son travail. Capitaine, je pense que je vais rester à bord. Il y a une sloop à tribord un peu plus loin qui me paraît suspect. Sloop à tribord, oui, effectivement. À surveiller. Dans tous les cas, Ismousse, si tu souhaites nous retrouver, sache qu'il y a un système de monte-charge automatique à l'intérieur de cette île qui nous permet d'aller en bas, dans la zone à énigmes. D'accord. Je viendrai vous rejoindre une fois que la menace sera écartée. N'hésite pas à utiliser ton mégaphone en cas de besoin. Bien sûr. Alors. Paquebot, je crois qu'il faut allumer les torches pour rentrer. C'est bon, la porte s'ouvre. Capitaine, je crois effectivement que cette porte est en train de s'ouvrir. Attends. Non, c'est pas un sloop squelette, malheureusement. Capitaine, je pense que nous... C'est pas un sloop, c'est un brigantin. J'espère qu'Ismousse n'aura pas besoin de nous plus que ça. Enfin, à voir. Paquebot, t'es où ? J'ai trouvé un crâne. Où ça ? Sur la plage, capitaine. Oh ! Mets-le près du bateau pour qu'Ismousse puisse le grappiner. Après, reviens-moi. Aussi, capitaine, je me dis un coffre pour pouvoir mettre les boulets de canon. Mais qu'est-ce que ce squelette fait ici ? Oups. J'ai la gâchette facile en ce moment. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il est complètement inerte. Paquebot, viens prendre le monte-charge. Et où est-ce que nous allons, capitaine ? Eh bien, avec Avery, on a déjà visité ce genre d'endroit une fois et ça nous amène à une salle d'observation astrologique. Et on va regarder des étoiles. Et une fois qu'on aura vaincu l'énigme de cet endroit, on aura un joyau très très cher à vendre. Voilà, c'est tout ce dont tu as besoin de savoir. Bravo, ouais. Oh, ouais, pas de goût. Ah, nous y voilà. Alors, ça c'est la première étape. N'hésite pas à te prendre de la nourriture. Il y a une sirène ici qui peut remonter nos affaires en haut, si besoin. Ah, paquebot, voilà, rentre dans la salle.
observe un peu cette beauté. Capitaine. Ah, vous êtes là. Ici, paquebot. Regarde ça. N'est-ce pas magnifique? Et somptueux. D'après mes souvenirs, nous devons aligner les étoiles avec ce miroir pour en révéler les constellations. Avec les symboles qui sont affichés dans la salle. Alors, il faut trouver tous les petits animaux. Oh, la terre tremble énormément ici. Oh, ça tourne, ça tourne. Les éléments sont en train de tourner. J'ai un aigle ici. Un aigle. J'ai un crabe, capitaine. Un aigle, un crabe, une chauve-souris. Une araignée, pardon. Un hibou. Et une plume. Il y a une plume ici. Il y a aussi une tortue. Il faut trouver tous ces éléments et les révéler au grand jour. Et comment faire pour les révéler, capitaine? Il faut que l'un d'entre nous tourne cette barre et que l'autre les révèle avec le miroir. Utilise le miroir, Pagbo. Non, il faut que tu vises les étoiles afin de trouver les bonnes constellations à allumer. La plume. Il faut l'allumer. Voilà, sers-toi du miroir pour retracer la constellation. Enfin, les étoiles qui brillent, quoi. Fais le dessin de la plume avec. Voilà, en haut. Bien. Il faut retrouver les autres. Alors, on a un hibou, le crabe. La chauve-souris. Éclaire le ciel. On risque d'en louper. Non, le lion, on ne l'a pas. Le poisson, on ne l'a pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il me semble qu'on a une tortue aussi. Et un aigle. Le renard, on ne l'a pas. Où est-ce que ça peut être? Le hibou. On l'a. Là, capitaine. Attends, je m'arrête. Retrace-le, vas-y. Ah, il est si doué de ses mains. Il m'étonnera tous les jours. Bravo! Capitaine! La brigantine ne venait pas vers nous, alors j'ai décidé de venir voir. Bravo! C'est pas grave, Ismou, regarde. On est en train de révéler les éléments. C'est magnifique, n'est-ce pas? Bagbo, révèle la tortue, vas-y. Capitaine. Elle est où la tortue? Oh, on l'a? Juste devant. Voilà, juste là. Bien. Ensuite, je crois qu'à côté, on en a un à révéler aussi. L'aigle, vas-y. L'aigle, le crabe. Parfait. Attends, je vais déplacer la barre. Voilà, le crabe, parfait, vas-y. Capitaine, magnifique, vraiment. Rapporter plein de trésors au bateau. On va essayer. La chauve-souris, capitaine. Vas-y, ça doit être le dernier. Mais. Oh. Ah, j'espère qu'Ismousse n'aura pas besoin de nous. C'est bon, on les a tous accomplis. Oh, le sol tremble à nouveau. Le trésor là, oh, paquebot. J'aime pas ça. Oh, j'aime bien ça, en fait. Paquebot. Allumez la torche. Ah, là, paquebot, les torches. Ça y est. On peut la prendre. Non, attention. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Le diamant. Le bijou. Où est-ce qu'il est? Oh, il a été remis à Flammers à tous les coups, c'est comme ça que ça se passe. C'est grâce au Burning Blade. Diamant. J'ai compris. Paquebot, je viens de comprendre quelque chose. Le diamant. Paquebot. En fait, la dernière fois que nous sommes venus ici avec Avery, on n'avait pas en possession le Burning Blade. Du coup, on s'est tapé tout un tas de squelettes à affronter et le bijou à vendre avec nos propres mains. Sauf que là, comme nous avons le Burning Blade, le bijou lui a été directement restitué. Du coup, on n'a pas besoin de se taper tous ces foutus. Oh, de l'or. Paquebot, de l'or. J'ai pas compris, c'est bien ou c'est pas bien? Capitaine, on a un problème. Je pense que c'est bien.
Oh. Un problème, il y a une sirène dans l'eau autour de l'île, ce qui veut dire qu'il y a potentiellement quelqu'un en plus de nous sur cette île. Oh oh. Ou sur le bateau. On ferait mieux de revenir, Captain. Prends tout l'or possible, paquebot. C'est bon, plus rien. Plus rien. Bon, partons d'ici. Flammeur, ça a eu ce qu'il a voulu. Il faut remonter vite. On n'a pas eu à affronter sa maudite armée, c'est déjà ça. Maudit Flammeur. Si je te retrouve, je peux dire que je ne ferai pas ma caisse dessus. Il a quand même transformé mes cheveux. C'est vrai. Paquebot, la sirène. Oh, ça y est, on est au navire.